N'oubliez pas de vous abonner sur Afrique Sport. Cet été, le possible transfert de Kylian Mbappé a fait résonner toute la presse. Jusqu'aux dernières heures du mercato, les fans attendaient de voir si l'attaquant français rejoindrait le Real Madrid. Finalement, Mbappé est resté au Paris Saint-Germain pour jouer cette saison. Alors qu'il sera libre la fin de cette saison, Kylian Mbappé devrait certainement rejoindre le Real Madrid. D'après Marca et AC, le rêve du joueur de 22 ans. Mais actuellement, le Real Madrid n'a pas le droit de parler au joueur du PSG jusqu'en janvier 2022. En effet, d'après la loi, du club ne peut pas directement parler avec le joueur sous contrat, seulement si ce dernier est dans les 6 derniers mois de son contrat ou si le club du joueur l'autorise de le faire. Ainsi, les dirigeants du Real Madrid ne peuvent parler à Mbappé qu'en janvier. D'après Pipi Estrada, chroniqueur sur El Chiringuito, les dirigeants du Real Madrid ont décidé de ne plus parler de Mbappé cette saison. Le Real Madrid a pris la décision de ne plus parler à Mbappé, a commenté le chroniqueur. Pipi ajoute que les Madrilènes ne veulent même pas de commentaires sur Mbappé dans les couloirs des installations du Real Madrid pour que l'équipe se concentre sur cette saison. En janvier, Kylian Mbappé ne prolonge toujours pas avec le PSG. Les dirigeants du Real Madrid pourraient alors directement entrer en contact avec l'entourage du joueur.